وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Même si on devait rester prosterné toute notre vie, on ne peut pas rembourser au Allah le bienfait d'un regard, d'une respiration. Est-ce que l'un de nous ici peut prétendre avoir mérité la vie, ou avoir mérité la santé, ou avoir mérité d'être musulman? Le meilleur bienfait d'Allah, c'est l'islam. Est-ce que c'est par ton mérite que tu as eu ça? Ou Allah, si c'est par notre mérite, on ne mérite même pas d'être évoqué, d'exister. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. N'est-il pas venu un moment dans l'existence de l'homme alors qu'il n'était même pas quelque chose dénonçable? Il n'avait pas de nom. Il n'était rien. Néant. Du néant, Allah nous a créés. Rien que ça. Est-ce qu'on a mérité d'être présent, d'exister? Mais Allah, par son bienfait, il t'a donné cette existence-là. Il t'a donné cette existence, il t'a donné l'air, il t'a donné les membres du corps. Il a fait que ton corps il fonctionne d'une manière inexplicable, tellement c'est parfait. Il t'a soumis les créatures, il t'a soumis la terre, il t'a soumis le soleil, il t'a soumis les animaux, il t'a soumis les plantes. Subhanallah, toi l'être humain! Toutes choses dans l'univers travaillent pour toi. Il y a des anges qui sont à notre service. Allah, il leur a demandé de travailler pour nous. Il y a des anges qui nous protègent. Il y a des anges qui s'occupent de telles choses. Mais qui on est? Est-ce qu'on mérite tout ça? On ne le mérite pas. Celui qui croit qu'il va rentrer au paradis par son mérite, il a tout faux. Le paradis, tu ne peux pas l'acheter. C'est trop cher. Personne n'entre au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit lui-même. Il a dit, personne n'entrera au paradis par ses actes, seul. Ils ont dit, même pas toi, au messager d'Allah, même pas toi. Il a dit, même pas moi. Il a dit, même pas moi. Sauf si Allah il me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Le meilleur des hommes, il ne peut pas rentrer au paradis par ses actes. Alors il y en a un ici, il croit qu'il va entrer au paradis par ses actes. Wallah, c'est que par la miséricorde d'Allah. Quand on aura compris ça, wallah, on va adorer Allah jour et nuit, et encore on va demander pardon à Allah qu'on n'a pas fait assez.